Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur Tara. Aujourd'hui, on s'intéresse aux performances du bateau. Alors, à votre avis, quels sont les éléments qui favorisent une bonne vitesse? Bah, les voiles, évidemment! Alors, la vitesse maximum que peut atteindre un bateau, elle dépend pas mal de la forme de la carène et surtout de sa longueur. Mais au fait, la météo, on en parle, Nico? À bord, on prend la météo deux fois par jour, ce qui nous permet de définir notre route. On est parti du Cap Vert qui est ici pour descendre jusqu'en bas de l'Amérique du Sud. Et globalement, depuis le début, on a réussi à attraper des vents qui nous poussaient dans le bon sens, ce qui est toujours beaucoup plus agréable. Depuis le Cap Vert, nous naviguons essentiellement à vent de travers ou vent grand large, des allures plutôt propices à avancer à pleine puissance avec le bateau. Mais d'ailleurs, c'est quoi une allure? Défini entre l'axe du bateau et la direction du vent. On parle d'allure de près, de bon plan de travers, de largue, de grand largue et de vent arrière. Alors c'est sûr que Tara n'est pas la plus légère ni la plus profilée pour battre des records de vitesse. Malgré tout, depuis qu'on l'a agréée avec nos nouvelles voiles, c'est un vrai bonheur de la régler. Et en parlant de réglage et de vitesse, c'est quoi un nœud? Un nœud, c'est un mille nautique par heure. Ah oui, et un mille nautique. Un mille, c'est 1,852 km. Voilà, en résumé, depuis le départ du Cap Vert, malgré ses 140 tonnes, Tara a su exploiter au maximum ses 440 mètres de toile et tenir 7,5 de moyenne en glissant à travers les alizés et l'anticyclone de Sainte-Hélène, pourvu que ça dure. Je vous laisse avec quelques images du bateau sous voile et je vous donne rendez-vous à Punta Arenas dans le détroit de Magellan. D'ici là, prenez soin de vous et gardez la pêche !